Je parle aux Congolais. Et quand je dis que je parle aux Congolais, je parle à mes compatriotes du pays. Ne comptez pas sur cette diaspora qui a plus un problème de ventre. L'histoire de nos terres n'est pas une affaire où on devrait sensibiliser les gens. On ne touche pas à la terre, on peut toucher à tout sauf à la terre. Mais aujourd'hui, M. Sassou Nguesso et toute sa famille veulent que les Congolais demain soient étrangers chez eux. Comme je vous l'ai dit, je suis là et je continuerai à dénoncer ce bradage de terre. Des gens veulent parler. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi ceux qui ont la signature du Congo ne sont pas passés par les lois légales. Quand je parle des lois légales, je parle du Parlement et du référendum qui devrait intervenir dans ces accords léoniens. Et comme d'habitude, ce pouvoir qui est là depuis 1969, ce pouvoir que je ne veux pas coller une étiquette ethnique, continue à démontrer aux autres que nous ne sommes pas une nation, mais nous sommes une colonie d'ethnie. Cette histoire ne finira jamais tant que nous ne mettons pas fin à la folie de ces autorités. Les terres du Congo ne sont pas à vendre. Quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir, il n'y a aucun mobile qui fait que aujourd'hui, nous bradons nos terres. C'est une guerre déclarée au peuple congolais, le peuple souverain qui n'a jamais été contacté. Vous qui suivrez cette vidéo, vous qui la suivez, je vous demande d'en faire une large diffusion. Je me trouve devant l'ambassade du Rwanda. Et aux Rwandais, vous devrez savoir que nous vous écraserons comme de la vermine sur les terres Congo. Il ne sert pas d'en faire une mosquée. Mais nos frères du PCT doivent savoir de leur complicité, ils finiront par payer. Ce n'est pas une chasse aux sorcières qu'on lancera, mais s'il y a quelqu'un capable dans cette diaspora, je l'invite sur un plateau de télé. Nous en avons plein, Afrikili TV, Ziana TV, Memikola, la radio de la communauté. Alors, surtout à mon frère, et là je l'indexe et je le dis, Monsieur Justoko, êtes-vous prêt à discuter de ces contrats-là avec Armand Manziono? Nos terres ne seront jamais vendues. Si vous venez d'ailleurs, alors nous allons vous montrer d'où vous venez. Tout ce cinéma, si nous sommes dans la logique, pourquoi avons-nous foulé les voies référendaires et parlementaires sur cette cessation? Je ne vais pas m'attarder, mais les Congolais doivent se lever
comme moi je me lève pour ces terres. Le collectif des défenses de terres bantoues, avec tous ces hippopotames, ne laisseront jamais passer pour ceux qui pensent que c'est une affaire de com. Mais je vous apprends que M. Kagame a bien reçu le courrier du collectif des terres, de défense des terres bantoues. Advienne que pourra, et j'en ai terminé. M. Sassou Nguesso, Okomema Congo, côté Okokendete. Il y a eu déjà ici, Ozokende. Ozokende, Tika Bato, Nakimia. Tika Bato, Nakimia. Ces accords ne sont pas des accords de bradage. En fait, nous connaissons, ce sont des accords militaires. Mais aux frères rwandais, venez au Congo, nous vous attendons. Venez, nous vous attendons. Ça ne sera plus l'affaire des ninjas et des cobras, mais ça sera l'affaire des cobras, ninjas, chiroulous, contre les Rwandais. Et on verra. J'en ai terminé. Je pense.